Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de VTT Deux Potes Une Passion. Alors moi c'est Etienne et je vous présenter mon Rockrider 500. Allez c'est parti, donc pour commencer, déjà c'est un Rockrider 500. Mais c'est pas un Rockrider 500, j'ai changé des pièces, notamment les freins. J'avais des freins à disque mécaniques et j'ai mis des freins à disque hydrauliques. C'est pour ça qu'il y a une gaine qui passe là, normalement elle passait ici. Voilà. Donc les freins à disque que j'ai mis c'est des Between by Treco. Tektro, voilà, avec des disques de 160 à l'avant et 160 à l'arrière. Après les pneus, c'est pas les pneus d'origine non plus parce que ils sont morts. Donc là à l'avant on a un Michelin Country Trail et à l'arrière on a un Michelin Force XC. Voilà. Donc après ensuite je vais vous parler de la transmission un peu. Donc la transmission, c'est une transmission SRAM, entièrement SRAM. Donc là, on a un SRAM X5. Voilà. Donc 3 plateaux 8 vitesses. Voilà. Ensuite, la fourche, c'est une fourche à ressort. Donc elle n'est pas bloquable et elle a 100 mm de débattement. Elle n'est pas géniale, mais ça va. Ensuite, bon, le guidon. C'est un 60 de largeur, 60 cm de largeur, et ici on a les poignées de vitesse RAM, ici et ici. Voilà. Donc voilà les amis, ça va être la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, et à la prochaine.